La Minute Déco avec Maud. Bonjour à toutes et tous. Le homestaging, comment ça marche? Littéralement mise en scène de la maison. C'est changer d'intérieur sans dépenser trop. Voici quelques astuces. Créer une entrée qui invite propre, fonctionnelle, fleurie, colorée, un banc, du rangement. 2. Ranger. Ne laissez rien traîner. Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Adieu les magnettes sur le frigo. 3. Pourquoi pas relooker les anciens meubles? En changer sans les changer. Un pot de peinture, de l'huile de coude, un tuto, pourquoi pas? 4. Chaque espace a sa fonction bien définie, avec des couleurs neutres qui vous permettent de changer la déco à moindre coût, en échangeant les coussins ou juste les housses. Vous aurez compris que le homestaging est une technique pour valoriser votre intérieur. Il vous permet de moderniser votre maison. Vous savez maintenant que le homestaging va vous aider à repenser votre intérieur et mettre en avant les pièces où vous passez le plus de temps en famille. Donc récapitulons. Ranger, désencombrer, accueillant, chaleureux, fonctionnel, relooké, épuré. Le homestaging s'invitera dans toutes les pièces de la maison. Et oui, toutes, y compris les plus petites. Et il y a aussi la possibilité de faire du homestaging dans le garage. Oui, oui, oui. Si vous souhaitez quelques idées, n'hésitez pas. Demandez-moi. Allez, à bientôt. C'est à vous. Décorez. Retrouvez la Minute Déco sur itswanradio.com.